Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Sous situation cabotage là, qui est dans la zone Marigot avec en sapitre. Et nous arrivons et il y a des décisions, je dis, par exemple, il y a des décisions que la mairie, ensemble avec Semana, avec direction de protection civile et toute autorité pour nous camper et trafic là, jusqu'à nouvel ordre dans la zone ça, en attendant que nous prenions des décisions. Parce que un bail qui est important, c'est que le trafic Marigot en sapit là, c'est un trafic qui fait dans la nuit. Et ceci très très tard. C'est-à-dire que le bateau est sorti 9h, 10h du soir pour arriver à 4h, 6h du matin. Et eh bien c'est depuis l'homme la première fois c'était un problème que me dit qui était existé parce que le on bateau tag un problème dans nuit et living dit il y a plus de difficultés pour aller sauver la vie monio parce que et les ça et on a besoin et flash on a besoin et même lorsqu'on a flash là tout les papka et à cause de noirceur la mer et environnement. Eh bien, la difficile pour ou monde qui peut être à tout près, parce que son moteur bateau, etc., qui a mis des difficultés, même lorsque mon a brûlé, eh bien, la difficile pour secourir. Eh bien, pour toute réflexion, ça a été fait, eh bien, il y a possibilité pour changer un petit peu horaire là, parce que, il a dit que le bateau, parce que le 6h de temps, il y a un sapit pour aller à Marigot et aller-retour, et vice versa. Eh bien, nous dit que comme on a plein de ce que yo chaud la mer comme ba yo problème leur arrivé yo obligé à l'hôpital etc. et des fois c'est des monde qui viennent vendre marchandises qui viennent dans marché eh bien yo ba la mer comme soulé yo et soleil la comme droit chaud pour yo eh bien nous parlons n'a réfléchi nous commencer réfléchir ensemble comme nous pouvons arrêter son on le exact nous pral et recommander tout capitaine bateau et marin pêcheur yo mais cependant et nous commencer réfléchir sur lui pour nous permettre que nous changer horaire de et trafic qu'a fait entre Sapit et Marigot en Sapit. Et en pile l'autre difficulté tout sur route là c'est que il y a des bateaux sur route là il y a prend des moun il y a prend des marchandises tout ça tout même lorsque représentant Semana Ataka dit un bateau li correct li ka aller et bien dans mitan route capitaine bateau il prend marchandises après moun ça ka venir que bateau ça vienne plus moun d'oujou et qui ka permettre que naufrage fait quand même. Mais et comme nous connaissons que moi toujours dit Semana c'est une institution transversale dans la question de la mer. Le rôle de Semana c'est vérifier est-ce que le bateau répond à tous les critères, est-ce que il est correct pour faire le voyage là, est-ce que vous avez un gilet de sauvetage pour autant de monde qui a monté le bateau, est-ce que vous avez un extincteur, est-ce que le moteur est correct, est-ce que le bateau est conforme, est-ce que la liste de monde est prend, est-ce que tout est correct avant que vous ayez l'autorisation de partir ensemble. Mais depuis le bateau a déplacé, eh bien, Kounia, c'est l'autre autorité dans l'État qui doit prendre la relève d'un par exemple Garde Côte, qui doit peut-être abstitionner la mer, mais nous connaissons la situation Garde Côte pour abstitionner toute la mer pays d'Haïti, 1700 et plus de 1700 km de côte. Eh bien, et nous comprenons ça, on a besoin de carburant, on a besoin d'un pile personnel, eh bien, nous comprenons toutes les difficultés. Et en plus, tout faut que nous disions que, en pile fois, et représentants nous trouvons en face des difficultés énormes. Comme nous connaissons, les représentants de Semana, c'est des employés civils de l'État. Ils n'ont pas de zam, ils n'ont pas de bâton, ils n'ont pas en pile tout pour eux. C'est une ou deux des fois qui sont pour eux. Eh bien, capitaine bateau, ils ne peuvent pas étendre. Et les représentants ont dit qu'ils ont fait. Eh bien, ils ont décidé d'aller. Eh bien, leur aller, ils ont leur guet après la main. Et la police qui l'a dit eux-mêmes, il n'y a pas les policiers pour la mer, il n'y a pas la police maritime, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de monter la mer pour arrêter bateau, ni arrêter capitaine de bateau. Deuxièmement, au niveau de la porte plainte, et puis le commissariat n'est pas tout près, et la mer, les policiers ont dit qu'il n'y a pas de machine, il n'y a pas de moyens pour déplacer. Et autant de problèmes, et les policiers tout, des fois, qu'on gagne de bonne volonté, ils ont avancé tout, ils ont accompagné le représentant de Semana. Mais cependant, les cas sont arrivés, et même lorsque la police qu'on a arrêté capitaine de bateau belligérant, la justice, des fois, qu'on l'a gagné, il y a deux jours après.
Maintenant, tout ça, c'est des difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre de travail. Mais malheureusement, depuis un bateau coulé, depuis un naufrage qui fait, c'est semana, c'est semana. Mais faut me dire que semana a un rôle dans le cadre et transport maritime en de pays. Et c'est une institution transversale, j'aimerais dire encore, dans la question transport maritime. Et ceci, ce n'est pas seulement ça. Semana là pour le faire tout. Il est là pour réguler le secteur maritime dans le CERP. Il est là pour faire respecter les normes et principes en matière de navigation. Mais cependant, il y a une autre institution dans l'État tout. Il y a même tout qui doit participer, qui doit avoir des moyens tout. Même Jean Semana, il y a tout moyen nécessaire tout pour répondre à tout. De voile, mais cependant, et nous, tant bien que mal, n'a fait et job par nous que et l'État que, et le gouvernement et à partir du ministère de l'Intérieur qui recevra instruction d'un premier ministre pour accompagner et oui, avec et, autorités locales et certaines victimes dans nos frères. Est-ce que moi-même, je ne suis pas haïtien? Je dis à c'est ça pour nous comprendre. Nous remarquons que par l'un, puis là, pas bien dans aucun côté. Je dis à partir de là, c'est avec Sam Napel et c'est à Sam Napel qui veut libérer le pays. Qui a pris? Il parle de l'école. Il parle de l'école. Il parle de l'éducation. Ah, pour c'est mon cher. Dans 5 ans, dans 10 ans encore, qui ça nous voulait faire? N'est-ce pas dirigé le pays? N'est-ce pas l'état de bourgeois? Je dis à qui a utilisé gros corps pour assassiner. Politiciens qui mettent tête de bourgeois pour assassiner. Après même que nous assassinons, qui plein nous gagne pour ce monde ça? Qui plein? Qui a démissionné? Qui a vil? Oui, quand avril, qui a vil? Mais est-ce que le Canada, est-ce que Canada est un pays où on voit Simon qui sale comme ça? Ou j'aimerais ça le Canada est un pays où? Non. Et bien pour qui ça Haïti pas carte au Canada? Je dis, qui ça met Haïti dans l'Italie là? C'est pas aucun Américain, c'est pas aucun Canadien qui met Haïti dans l'Italie là. C'est 5% si au Libanais, mélangé avec politiciens traditionnels, mauvaise gouvernance. Pendant plus de 50 ans, qui met le pays d'Haïti dans l'état salié aujourd'hui là. C'est eux qui mettent 1000 timons sur ça. C'est eux qui mettent un abdomen dans le monde qui ça. C'est eux qui mettent Zamsa dans le quartier populaire. Zamsa dans le quartier populaire. Qui est-ce qui mette yo? C'est nèg d'après les bourgeois. C'est nèg d'après les politiciens. Ils mettent Zamsa dans le quartier populaire. Et que pour être capable de régler l'intérêt personnel. Pour être capable de contrôler le système. Je dis à nous-mêmes, nos forces révolutionnaires, Genève, famille et alliés, main tout, nous choisissons pour les armes pour nous utiliser pour tout le monde qui mette nous dans le menu et que pour nous libérer le pays. Et ce n'est pas sans raison qu'il faut, ils ont utilisé les médias internationaux, ils ont utilisé les médias locaux, ils ont utilisé l'organisation de l'homme et que pour faire mentir sur nous, pour qu'on détruit nous, c'est parce qu'on a défendu ça. C'est ça qu'on a défendu. Est-ce que parce qu'on a demandé bon gens qui pour nous arrêter? Est-ce que parce qu'on a demandé bon gens de l'eau potable et que pour nous boire? Est-ce que parce qu'on a demandé bon gens université? Bon gens d'école professionnelle, bibliothèque, parc d'attraction pour si moun nou gè côté pour y aller prendre loisir. Est-ce que c'est ça qui fait des moun criminel? Et mais si c'est pour être ça qui a dit son bandit, son criminel, m'a mouri criminel et m'a continué à gommer contre moun ça. Lettre ouverte à l'opinion nationale et internationale. Mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes d'Haïti et du monde entier. Conscient du phénomène d'appauvrissement continuel et progressif affectant principalement les classes pauvres. Conscient de l'urgence nécessaire de libérer la République d'Haïti, placée sous la férule de la bourgeoisie comprador, parasite, mercenaire et réactionnaire. Conscient que le pays n'ira nulle part sans une vraie révolution apte à jeter les bases d'un nouveau départ à l'instar du Rwanda. Conscient que le gouvernement actuel, ayant à sa tête le Premier ministre M. Ariel Henry, ne fait qu'envenimer ou empirer la situation du pays au lieu d'apporter des améliorations utiles. Se référant donc à ces quelques considérations, nous, leaders de forces révolutionnaires Genève en famille et alliés Mayoun Mayetout, voulons un changement draconien du système politique haïtien, pouvant garantir l'existence d'un vrai État démocratique et d'un réel État de droit et prospère, à l'instar de ses pays amis, notamment les États-Unis d'Amérique. Loin de là,
l'idée de terroriser la population. Nous luttons pour sortir Haïti du joug de la pauvreté systématique, fondée sur la base d'un complot ourdi entre les politiciens traditionnels et cette bourgeoisie corrompue, pourrie, pervertie, qui, au lieu de s'intéresser à la construction d'écoles communautaires de qualité, d'écoles professionnelles, de bibliothèques, de parcs d'attractions et de loisirs, prennent un malin plaisir à fournir des armes et munitions aux jeunes vivants dans des quartiers défavorisés. Pour servir à leur cause personnelle, ils utilisent la pauvreté liée au manque d'encadrement de ces jeunes pour pérenniser le système pesé sous ses, qui ne prête le flanc à aucune contestation, à aucune idée de changement, car le dit système refuse catégoriquement l'autre. La compétition saine, autrement dit, le marché de concurrence. La liberté d'expression ou les opinions contraires, une portion infime de la population détient toutes les richesses du pays au détriment de la masse défavorisée qui ne sait à quel sein se vouer pour échapper à ce maudit système qui ne fait qu'aggraver les inégalités et dresser les obstacles à l'inclusion sociale. Nombreux sont ceux qui tentent de critiquer et dénoncer le système. Mais, hélas, le rapport de force est toujours favorable à ces bourreaux qui contrôlent la presse, les organismes de droits de l'homme, l'appareil judiciaire, les politiciens traditionnels, tous étant à leur solde, contrôlant même les élections pour placer les subalternes qui n'ont aucune allégeance envers le peuple, sinon qu'envers ses gardiens du système. Nous, leader de force révolutionnaire Genève en famille et alliés, main une, main toute, savons pertinemment qu'un jour ou l'autre, la mort frappera à nos portes. Mais juste avant, nous sommes évertués à lutter aux côtés de ce peuple zombifié, déprimé, pour l'aider à prendre conscience de sa situation d'exploitation, dans la perspective de révolutionner ce système. L'histoire retiendra que nous avons combattu le bon combat et que nous avons achevé la course en beauté. À l'instar des guerriers de l'indépendance, nous mourons la tête altière et haut les fronts. À cet égard, nous profitons de l'occasion pour inviter les Nations Unies en général et les pays dits amis d'Haïti, notamment les États-Unis d'Amérique en particulier, à s'inscrire dans cette page d'histoire, en tant qu'alliés loyaux qui veulent le bien-être de la population haïtienne en divorçant avec le statu quo. L'opinion publique, nationale et internationale, dira que vous avez fait œuvre qui veille en aidant la libération d'Haïti. D'autres pensent que le force révolutionnaire Genève en famille et alliés Maïoun Maïtout est un groupe de bandits armés qui sème le deuil et la terreur au sein de la population haïtienne. C'est ce que les défenses du système laissent comprendre à l'aide de la presse impulsive qui, en quête de sensations, mène la course du scoop. Pourtant, cette même presse reçoit régulièrement les gangs réels composés de ces politiciens traditionnels à cravate, associés à ces bourgeois compradors qui ne jurent que par la défense de leurs intérêts mesquins, tout en faisant fi des attentes et desiderata du peuple haïtien. Il existe un bouquet d'euphémismes pour qualifier ces gangs en costume, appelés hommes d'affaires, hommes de couleur, moun en haut, bourgeois, entrepreneurs, classe possédante, investisseurs, gens civilisés, moun senti bon, alors que, s'agissant de l'autre, il lui est attribué les qualificatifs péjoratifs, gang, bandit, nègre en bas,
nèg en dehors, nèg feuille, c'est le monde des ti Joseph, ti Pierre, ti Jean, à ne pas confondre avec le ti affectif. Fort de ces considérations, nous les leaders de force révolutionnaire, Genève en famille et alliés Maïoun Maïtout, exigent illico la démission du Premier ministre Ariel Henry. D'autant plus que ce dernier est soupçonné d'avoir participé à l'assassinat odieux et crapulé du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, orchestré par les défenseurs du statu quo. De plus, l'un des membres de son cabinet ministériel, le ministre intérieur et des collectivités territoriales, également ministre de la Justice et de la Sécurité publique par intérim, M. Lise Kittel, semble être impliqué dans l'enlèvement du pasteur Jean Ferret Michel. Au prix du sang, nous allons déloger Ariel Henry de la primature. Et après, les clés du pays seront remises à une nouvelle classe d'hommes et de femmes de la société civile qui auront à jouer la carte de la bonne gouvernance susceptible à sortir le pays du bourbier dans lequel il patauge depuis bien des lustres. Nous ne menons pas cette lutte de manière réactionnaire et pour satisfaire un groupe d'intérêts, mais pour faciliter une autre Haïti ou matérialiser le rêve de Valérie Numa, d'Ali Valet et tant d'autres. Une nouvelle Haïti est possible. Ainsi, les générations présentes et futures pourront connaître des jours meilleurs. Sur ce, nous invitons les victimes du système social à se solidariser avec les leaders de forces révolutionnaires Genève en famille et alliés Maïoun Maïtout pour sortir le pays du chaos et ou de cet esclavagisme mental à conséquences somatiques catastrophiques. À ce stade des débats, l'âme de la dialectique se révèle impuissante pour renverser la vapeur. D'où le choix de force révolutionnaire Genève en famille et alliés Maïoun Maïtout d'utiliser la dialectique des armes pour sauver enfin Haïti, tel que l'armée indigène l'avait fait à la veille du 1er janvier 1804. Au grand mot, les grands remèdes. À bon entendeur, salut. Ne doutant pas que notre démarche retiendra votre meilleure attention et afin que nul n'en prétexte ignorance, nous, leaders des forces révolutionnaires, Genève en famille et alliés Maïoun, Maïtout, nous vous prions d'accepter, madame, messieurs, citoyennes, citoyens du monde entier, l'expression de nos attachements viscéraux et à nos ancêtres haïtiens, à notre bonne santé mentale, de notre lucidité, de profond sens patriotique et de nos salutations véritablement distinguées et sincères. Vive Haïti, vive l'esprit du père de la nation Jean-Jacques Dessalines, vive la diplomatie, vive force révolutionnaire Genève en famille et alliés Maïoun Maïtout. Vive la révolution. C'est ça qui vient comme toujours problème. Donc, c'est notre dernier niveau. Nous, là. C'est notre dernier niveau. Gaz, c'est le minimum. Non. Comme si un gaz pour l'État pas capable d'arranger pour nos formules, pour gaz là, distribuer dans le propre, pour tout le monde capable d'être avec la machine en bas pour prendre le gaz là. Donc, pour qui ça fait ça? On ne peut pas comprendre. Si on ne peut pas marcher, il faut que nous gardions qui ça ne pas marcher pour être capable au moins arranger. Parce que le problème qui est Sony, c'est une connexion qui fait. L'État lui-même lui reconnaît au niveau local. Il y a des autorités locales qui au moins l'ont utilisé comme force en dans la commune pour travailler en collaboration avec eux. Donc, on a pris un débat qui n'a pas fait là, qu'on a vu pour voir les vins concentrer un seul côté. Port-au-Prince, avec le petit problème, ça boumait seulement pour contenir en bas, en l'air. En bas, lui-même, restait comme pas rien, comme quoi pas rien, pas rien, pas rien, pas rien, qui fait avec l'État central. Ça, c'est une grande bagarre qui paraît difficile. Donc, je dis, la bataille qui a mené nous-mêmes, nous commençons à chita, nous avons parlé avec plusieurs autres secteurs du département. Parce que quand cela nous dit, nous ne pouvons pas quitter le pour aller, parce que lui représente une richesse pour nous, il faut nous valoriser.
nous dit nous avons trois bagages importants que n'a pas le défendre là et c'est lui qui est primordial pour nous. C'est finaliser d'ailleurs Port Saint-Louis, il y a tant l'aide de fonctionnement déjà que président avant de mourir de bail, c'est route qui pour entrer sous port qui te commencer pas jamais fini et faut au moins l'état faire rapide pour finaler et puis aéroport international là pour finir le ban nous et puis essayer arranger proprement côté aussi qu'on vienne déposer gaz. Il y a toute bagaille là net. C'est seulement des arrangements qui sont faits. Basso Kakoche, la ville de Gaza à la Cavaillon, et puis tout l'autre grand département de Nipkavine, Grand Escavini, et Sud-Est Kavini tout, parce que maintenant, représente un problème pour le pays. Je veux dire, le pays n'est pas réduit à Port-au-Prince seulement. Il faut qu'il y ait le nord, possibilité pour le bouger. Il faut qu'il y ait le sud, possibilité pour le bouger. Et nous connaissons le sud, il regroupe quatre départements dans le sud-là. C'est Sud-Est, Nip, Grand Est avec le sud. Quatre départements ça yo au moins le yo décentralisé et quatre départements ça yo avait dit que yo permet yo faire grand sud OK quatre départements ça yo gagne service qu'on fait à grand sud mais est capable venir dans sud et de grand est capable venir sud est capable venir ou faire grand nord qu'on a au moins ou par délégation de pouvoir à chaque département ça yo yo va gagner au moins yo bénéficier pour service par yo reste pas au point ah on m'a déplayé, mais j'ai pas tout pour saturer là. Jusqu'à présent, mes amis, nous parlons de profiter de l'opportunité et quand vous m'avez été là, au fil, le problème de sécurité, il crée un gros problème à travers le pays. C'est à au moins délibérer les dépôts auprès, mettre le grand sud lui-même bien dépendant, côté que il est capable d'une force fiscale, le grand nord capable d'une force fiscale, et puis l'ouest, ensemble avec l'autre département qui a l'autre commune qui est entre l'eau, nous capable d'être service. Mais leur consacre toutes ces questions. Seul côté, c'est lui qui crée la sécurité parce que l'homme besoin des gaz mobilisé dans ses portes de presse, l'homme besoin d'action par mobilisé dans ses portes de presse, alors que il y a possibilité pour nous aller dans ce sud-là, nous ne parlons pas vraiment de ça qui est nécessaire là pour faire. Donc je dis, si on peut être à l'école, même nous-mêmes dans la radio, il faut nous parler dans les oreilles du gouvernement pour nous montrer, pour nous déconcentrer le pays, décentraliser l'État, pour avoir moins d'insécurité, et pour avoir moins de gangs, pour avoir moins de misère, pour avoir moins de la vie chère. Ce n'est pas construit, nous ne pouvons pas construire. Nous construisons déjà, parce que l'État là déjà, tu as aménagé pour aménager l'espace là, pour permettre d'arranger mes usines avec gaz là. Parce que l'idée qu'on fait déjà, si on valorise, je pense que il parle plus bon pour l'État central va rentrer plus d'argent, il parle moins de problèmes que l'Algérie. L'île là, il existe déjà, c'est abandonné, l'abandonné, c'est seulement aménager pour aménager l'espace là et puis battre l'usine de gaz. C'est-à-dire le grand sud là et tout, regarder le grand sud là lui-même, pas de gros problèmes gaz non. L'État sud pas besoin de monter pour le prince, pour camion pour aller, pour pas kidnapper, chauffer. Pas à tout problème ça yo ou regarder pas à problème gaz dans grand sud là du tout l'état t'a pas le souffle il va dans des problèmes c'est que le pays a bien marché l'état central lui-même tête reposé mais je dis à la m'a demandé là au monde des responsabilités pour délivrer service par une nation je dis à vous garder peuple pas à une service comment senti ou comment est-ce que senti ou son dirigeant en tant que président association qui ont cette expérience en question collectivité territoriale nous connaissons le rôle nous t'a dû jouer en question développement pays nous donc je dis à nous venir limiter parce que l'état central n'est pas dans nos délégations de pouvoir moyen donc tout va être confisqué au niveau central et budget pays a justement concentré dans Port-au-Prince il n'est pas réparti richesse pays n'est pas réparti par les départements donc ça vient rendre là c'est à genoux mon marché donc je tiens à penser que question et décentralisation, tout est que nous n'avons pas entré là-dedans, nous avons toujours été dans le niveau que nous sommes là. Parce que moi-même, moi, dans l'autre pays, moi, comment le pays fonctionne, collectivité, c'est eux-mêmes qui baissent le développement. Moi, je vais payer Canada et Sony. Là, on va regarder, c'est magistrat, c'est lui-même qui président commune. Même lorsqu'on met ton machine campée, non pas qu'il y a beaucoup. Il faut dire qu'il va le temps à faire, ou à payer pour le temps à faire. Si vous faites plus de temps, il y a vraiment des machines. C'est une question de principe. Le pays, chaque monde fait ça, ouvrir là-dedans. Il ne va pas créer des principes. Donc, c'est une raison qui vient de mettre nous côté nous, là, je dis. Donc, je pense que le pays d'Haïti, c'est un pays qui mérite réformaté. Haïti, trop sale, il besoin de laver. Il n'y a pas qu'à laver avec n'importe qui. Il faut que nous propre d'abord. Il faut laver la mentalité. Il faut connaître. Le pays n'est pas réduit à intérêt personnel. Donc, c'est mettre tête ensemble pour nous voir comment nous sommes capables de construire ensemble. Moi-même, qui, au niveau local, moi dans le département, c'est moi qui identifie les besoins, moi qui identifie les problèmes. Et si par exemple, le gouvernement prend une décision pour faire réparation terminale ça, dans le Cavaillon, pour gazer dans le Grand Sud, là, je pense que là, l'État comprend. Et puis tout, si l'État encore, il port qui déjà construit, déjà, qui a une autorisation pour fonctionner, ça permet de route Saint-Louis à rentrer.
sous Port Saint-Louis, côté que machine capable projeter que les bateaux vienne capable venir bailler ciment fait produits alimentaires, on pense que l'État encore ils font l'autre point. Donc là on fait ça, il pourrait permettre de décentraliser pays ou même tout ou vienne pas responsable de tout ça qu'a fait yo. Donc je dis que c'est ça pour l'État travailler avec nous. Novembre, nous relèvons dans la liturgie commémoration des fidèles défunts. L'Église n'a pas dit fête des morts. Dans la liturgie, l'Église n'a pas comparé les fêtes des morts. Ces jours, nous songeons toutes fidèles lieux qui partent, qui prennent devant. Au niveau de la foi, nous avons songé tout ça, tout le monde qui mourit, avec espoir, grand maître là va faire lever un jour. Ça nous dit chaque jour dans la messe là. N'a pas prié pour vous. Parce que nous-mêmes, tous nous avons espérance dans le vivant pour tout le monde qui mourit dans Jésus-Christ. Étant n'a pas prié pour les défunts, ça nous fait chaque jour, et particulièrement le 2 novembre, n'a pas songé tout nous-mêmes, nous avons pour nous faire grand voyage là un jour. N'a pas demandé bon Dieu la grâce pour nous préparer grand jour ça, dans façon à vivre sur terre. De novembre, commémoration des fidèles défunts, son geste la foi, en même temps tout, son geste reconnaissance. Et je vais insister sur ça. Son geste remet, un geste attachement à parents nous, amis nous, bienfaiteurs, fidèles l'église là, n'abdio, nous pas oublier. C'est vrai, dans chaque la messe, nous la prions pour vous. Mais l'église là pour un jour spécial, pour songer vous, même Jean, le tabu sous terre, vous avez un jour spécial, vous avez un anniversaire naissance. Bien, nous prenons un jour, dans l'année, pour nous songer. Dans jour ça, nous la prions pour vous. Nous présentons devant bon Dieu. Et si geste nous fait tout, qui est important? Nous mettons des fleurs sous ton mur. Ou après, on peut le côté semaine, ça a été fait, c'est que les cimetières, tout le monde qui fait nettoyer, bon, vous font mieux. C'est bien, ils font tradition pour nous maintenir. Que deux personnes qui sont tombées dans le jour, ça a porté un petit fleur. Il est capable de lui mettre un siège. Il est capable de porter une photo. Ou capable bien loin tout. Ou pas qu'à aller dans le cimetière. Ou capable à l'étranger. Ou capable pour le principe, il faut tomber dans la Tibonite, tomber dans le sud. En dans cas là sur bon photo vous savez capable mettre un petit fleur beaucoup de photo là vous capable garder le propre ballon attention particulière pour dire mon ça au songer pour dire merci pour ça été représenté pour nous pour ça il été fait pour nous. Alors l'église là de novembre invite fidèle la prière ensemble c'est bon pour nous à l'église c'est vrai qu'il y a une crise carburant, il pas qu'à déplacer facile, on comprend ça. Mais même si on pas capable dans la caillou, la prière. Songez famille, font un petit geste pour yo. Pour montrer que c'est pas pendant que tu es sous terre seulement que tu es utile. Yo. C'est pas là que tu es sous terre seulement que tu es attaché avec yo. L'église a songé toute foule petite yo. Tout le monde qui te conserve l'église là avec désintéressement, qui te bail tant yo pour l'église là, qui te bail tant pour frère action yo. L'église là veut dire yo. De novembre, merci. Nous pas oublier, nous songer nous. De novembre, c'est pas une fête, c'est une mémoire. Et pourquoi l'important pour nous qu'aimer de voir de mémoire ça? Ça entrer dans l'histoire nous comme peuple, ça entrer dans racine nous comme peuple et dans culture. C'est ça, on t'avait dit pour 2 novembre non? Et tant m'appelle tant ni à l'autre jour tout. T'as profité l'occasion ça pour dire grand série de fêtes nationales. Ces jours pour nous songer les ancêtres. Les héros, le 2 janvier, c'est les aïeux. 18 novembre, combat de vertir, nous songer comment ça s'est été pour nos pays. 18 mai, comment était nos drapeaux. Tout ça, nous pouvons célébrer au plus bien. Avec plus de dignité,
avec plus tête ensemble, avec plus calme. Ça a aidé nous à rejoindre l'histoire, nous, aider nous poser sans nous pour nous construire un pays. Quand on a dit peuple bon Dieu, nous sommes peuple d'espérance, un peuple en marche vers le royaume, vers la Jérusalem céleste. Il faut nous toujours qu'un bel espérance. Pas une espérance seulement pour le royaume, mais une espérance pour des jours meilleurs. Parce que le royaume bon Dieu a commencé à construire depuis sous terre. Espérance, un pays qui est capable de plus bon. Pour le plus bon, il faut travailler pour ça. Pour le plus bon, il faut mettre ensemble pour ça. Pour le plus bon, il faut chercher consensus. Pour le plus bon, il faut nous chiter ensemble. Pour nous ne pas penser que c'est vous seul qui avez une solution. Pour le plus bon, il faut nous penser à problème peuple. Souffrance, son peuple qui n'est pas capable de kembe encore. Son peuple qui trouvait que nous descendons très bas. Alors il faut nous mettre ensemble pour nous qui côté nous aller parce que ça va mal, ça va très mal dans le pays. Son occasion pour nous dire un petit mot sur synode là. Synode veut dire marcher ensemble, travailler ensemble, réunir pour réfléchir, pour prendre décision. Ça nous fait dimanche 24 là, à Port-au-Prince et dans d'autres diocèses. C'est lancement processus synode qu'a bien prophète dans 2 ans. Mais pas blamander pour ça fait dans diocèse pour nous commencer à réfléchir, travailler ensemble. Dans qui point nous est, bien, j'en ai dit dimanche dernier. Week-end ça a questionné yo, commencé à aller dans paroisse, dans communauté religieuse yo. Il a pris pour aller dans l'école qui est intéressée, dans le secteur qui est intéressé, pour réfléchir sur la vie de l'église là, sur la vie pays là. Sur qui ça nous a fait pour l'église là répondre plus à vocation. Qui ça nous a fait pour l'église là marcher ensemble, pour l'église à travailler ensemble, pour nous chercher, réfléchir. Sur qui j'en suis capable d'annoncer l'évangile là plus bien et aider le peuple bon Dieu à vivre plus bien. Étape nous et Kounia, comme moi d'où, c'est étape questionnaire à la paroisse. Dans la paroisse Kounia, Péyo, pour aller réunir Mounio, pour capable de commencer à répondre aux questions. Hein, et il y a une période d'à peu près 2 mois pour faire ça dans la paroisse, pour approfondir, après pour répondre sur vie de nous, nous-mêmes pour nous travailler, pour nous faire une synthèse, pour nous capable de voyer à Rome. On dit, mais qui réflexion, peuple bon Dieu, dans l'archidiocèse Port-au-Prince l'a fait pour contribuer à ces modes évêques. Nous souhaitons tout le monde participer, nous souhaitons dans la paroisse, nous ouvrir les yeux sur ça. Nous souhaitons tout côté, tout secteur, toute communauté religieuse, l'école, capable de possibilité pour parler sur l'église là et qui sont capables d'engager au plus pour le travail d'évangélisation. Voilà, et merci avec tout le monde qui débranché pour être capable d'attendre. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.